Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. Salut à tous, c'est Chérika, j'espère que tu vas bien, en tout cas moi ça va super. On se retrouve pour la suite de notre aventure sur Ratchet & Clank. Et oui, si tu vas me dire, hihi, c'est un petit jeu de merde. Mais en fait, moi je kiffe tellement ce jeu que voilà, tu vois. Attends, il y avait un truc par rapport au robot, on va aller faire directement. En même temps, je suis en train de vérifier qu'il n'y a pas de boulon. Parce que s'il y aura un boulon qui traîne, ça serait con. Allez, on envoie le robot. Non, moi ça c'est fait. Ouais, donc maintenant en fait, si tu veux, le robot je peux le changer. Ça c'est fait, ça va très vite. Ça c'est pour améliorer nos armes. Une petite carte qui fait plaisir. Alors là, ça va nous permettre d'aller sur d'autres planètes, tu vois, où il va falloir que tu marches avec ça. Tu vois, des fois, ça faisait une sorte de petite route. Ça faisait une sorte de petite route qui montait et on pouvait pas grimper dessus. Grâce à ces bottes, on va pouvoir changer un petit peu tout ça et on va pouvoir escalader ces choses-là. Alors maintenant, tu vois, t'as des trucs pour bloquer la lumière. Bah, c'est une petite difficulté. Là, ça va, tu vois, il y en a que 3. Après, si tu vises vraiment de faire tous les trophées à 100%, tu prends pas le décrypteur. Mais par la suite, tu vas avoir un crocheteur.
la petite carte qui fait plaisir. Bon, c'est un petit peu de la triche. Il y a la 8, ok. Là, je vais mettre le lance-flamme juste pour passer ça. Wow, 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 qu'est-ce qui se passe? C'est fait. Là, y a rien. Là, le boulon y est fait. Alors, fais vraiment tout le tour. Là, tu trouves des diamants et tout, franchement, ça t'améliore tes armes. Bon, lui, je l'ai fait au maximum que je peux. Lui me sert actuellement. Voilà, ça c'est fait le maximum que je peux. C'est pas compliqué encore, comme je te disais, c'est que de la logique en fait. Bon, bah, premier boss. Bon bah ça promet.
le gros balèze et me bouffe pas mal de munitions. Oh putain. C'est vraiment les trucs que j'aime pas. Le premier boss c'est vraiment pas dur à niquer. Hein. Tu vois là il lui reste 18%, j'ai que dalle, j'ai quasiment pas perdu de vita. Fini. Regardez cette info robot, c'est que vous avez été sélectionné pour tester ma toute dernière invention. Le Jetpack X480. Bien que nous ayons eu quelques problèmes lors des premiers tests, je suis heureux de vous annoncer que tout est réglé désormais. Vous pouvez maintenant traverser le ciel avec votre Jetpack X480, ce qui vous donnera un avantage certain sur ce crétin cloué au sol. Le Jetpack X480. Procurez-vous votre exemplaire dans notre base sur Kaspar. Le docteur Nefarius décline toute responsabilité en cas de mort, démembrement ou lésion du système nerveux central. Capitaine, ici Ratchet. On a éliminé le monstre Blarg et on a découvert ce que mijotait Drake. De quoi? Mais c'est impressionnant.
Ça me paraît un petit peu louche quand même. Alors nous on vient de là. Et on va là-bas. Et encore un paquet d'holocartes acquises. Bon, on a fait le tour. Premier boss a été tué. On devrait continuer à inspecter cette station. Cherche une arme dans le vaisseau Borg. Ouais, mais j'ai déjà fait le tour en fait. Ah, maintenant faut aller dans le vaisseau de guerre. Nous allons vers une navette conçue pour transporter les expériences auxquelles Drake tient le plus. Il sait s'occuper, on ne peut pas lui enlever ça. Allons voir ce qu'il a encore fait. C'est quand même bien foutu, hein, tout ce qui est niveau. Tout ce qui est niveau cinématique et tout, franchement, c'est. Y a rien à dire. Moi, sur ce jeu, j'ai toujours kiffé en fait. Ça me rappelle mon adolescence. C'est des jeux où j'ai vraiment torché, j'ai vraiment farmé à mort. Ok. C'est la classe, hein? Verrouillage automatique, charge pyrocydique. Pourquoi c'est toujours les robots d'hier qui récupèrent les meilleurs? Abattez le lombard! Voilà, on a juste à patienter un petit peu. Voilà, là on l'a eu. Là, on a la fameuse arme. Non autorisé d'une arme détectée. Séquence d'autodestruction initiée.
pas ça du tout. Ratchet, on ne doit pas s'arrêter. Bah ça a été vite. Je me disais merde, il me restait une mission à faire. Et là en fait cette mission elle a été super vite à faire. On devrait aller sur la planète Gaspard pour voir ce que le docteur Nefarious mijote. Donc maintenant le monde là est terminé. Maintenant il faut. Voyons si on peut trouver ce jetpack. On n'a pas le choix en fait, il reste juste une planète à faire. Donc on se retrouve sur la planète Gaspard. C'est une planète qui est assez compliquée. D'après mes souvenirs, c'était vraiment tendu. Maintenant, je sais pas comment ça va être sur cette vidéo. De toute façon, je te ferai pas. Je vais pas te faire galérer pendant une heure à regarder une vidéo si je galère pendant une heure. Mais bon, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose de bien. Okay. Allons te dégoter un nouveau jetpack. Alors là, tu vois, il y a le, y a une arme, c'est, je crois que c'est comme un sniper celui-là. Ah, 21 000 boulons. Donc du coup, on va aller faire pour avoir 21 000 boulons. Donc je te laisse pour cette aventure, je te laisse pour aujourd'hui. Je te retrouve pour la suite de cette aventure une prochaine fois. Et puis je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, c'était Chérika.